Cette série est à regarder en plein écran. C'est préférable. Et dans l'ordre. Ça, c'est indispensable. Tous les épisodes sont dans la description. Bravo, on peut encore les applaudir. C'était un sketch très drôle des Yes, je vous aime. Ah, on dit Yes, vous êtes... T'inquiète. Et maintenant, on va regarder le court-métrage des derniers finalistes de cette grande soirée des Cyprien Awards, Les Parasites. Bonne chance, les gars. Hein. Merci, Van. On va les défoncer. Compétition, c'est toujours un moment dur, ça se joue à rien, c'est dur de départager finalement. Mais pas ce soir, ce soir c'est très clair, c'est Les Parasites clairement. À l'exception d'un groupe, qui ont été mon gros coup de cœur également ce soir. Ils sont quatre, ils font de l'humour qui tape toujours juste. Je parle bien évidemment des Johnnies. Merci pour cette soirée des Cyprien Awards. Bravo à vous, bravo les Parasites. On va faire les tout ensemble. Et allez, ça part en featuring. Quelqu'un veut une bière? De toute façon, on n'a aucune chance. Parce que j'ai vraiment une tête bizarre dans le sketch. C'est choquant, on voit que ça. Je sais pas si c'est la caméra ou si c'est parce que j'ai une tête de tortue, mais je suis grosse et maigre en même temps. J'ai l'impression d'être un peu la bonne copine, un peu moche, qui garde les sacs pendant que les filles vont faire du roller avec les garçons. Par contre, c'est du cuir d'animal, tes chaussures? Non, c'est pas du cuir d'animal. Bon, il ramène les bières ou il essaie de niquer l'ennemi, là? Bon, peut-être que juste il la félicite. De quoi? Bah, c'était quand même vachement bien leur truc. Ça joue de ouf, ça parle de vrais problèmes. Oui, le tri sélectif, faire caca dans des copeaux de bois. Et puis pour ça, eh bah tiens, si on prenait un acteur qui louche avec une diction bizarre qui fait qu'on sait pas s'il adore jouer des personnes handicapées ou s'il l'est vraiment. Putain, il fout quoi, mon... Oh, mon falafel. Désolé. Je suis désolé. Bravo hein, pour votre course, c'est trop bien. Ça joue de ouf, ça parle de vrais problèmes. Mec, je t'ai entendu. Pardon. Je t'en paye un falafel. Non, mec, il serait gâché. Non, je vais le finir, t'inquiète. Juste un peu de poussière. C'est quoi ton problème avec la planète? Tu veux pas la sauver? Pardon. Non, c'est moi qui m'excuse. Fils de pute. Bonne soirée, les Yes. Salut. Salut, Pauline. Putain! Désolé les gars, il y avait trop de monde au bar. Merci. Merci. Et la mienne? Mais tu peux prendre la mienne si tu veux. Tu faisais quoi là? Bah je lui parlais, elle est trop cool, elle est trop marrante. Elle veut bien faire des vidéos avec nous. Attendez, c'est quoi le plan là les gars? Vous voulez qu'on la joue salement à faire des featuring comme tout le monde? Hein? C'est à ça que t'as envie de ressembler plus tard? Les featuring, c'est de la merde, d'accord? C'est quand t'as pas de bonnes idées et que t'es obligé de faire venir quelqu'un de connu pour que les gens regardent ta vidéo. Donc non, on fera jamais de featuring. Puis pourquoi, dans tous les cas, hein? Pour te retrouver avec un connard à l'ego surdimensionné qui va changer tout ton texte, tout ça parce que ça le met mal avec son sponsor ou que ça abîme son image de mousse? Ouais, pardon, je te jure, je t'écoutais. Après, en vrai, on s'en fout de ce prix, hein. Ce qui compte, c'est notre rendez-vous de demain. Quel rendez-vous? Avec Vincenzo, chez Studio Moustache. Ah, ouais. Quelle heure déjà? 15h. Pour la série. La fameuse série. Mec, regarde tes mails de temps en temps. Mais mon portable, il marche pas. Recharge-le. En même temps, t'es devant moi. Tu m'expliques, on n'a pas besoin d'électricité pour ça. Ben, en vrai, Bertrand, tu peux lui pitcher, comme ça fait un bon entraînement. Puis si c'est nul, on le saura tout de suite. Bon, ok. Ce serait une série sur Yes, sur nous, quoi. Et ça suivra notre parcours sur YouTube, comment on galère, comment on réussit, parfois. Et en fait, les personnages auraient nos propres prénoms. C'est-à-dire qu'en fait, ils seraient inspirés de nous. Inspirés de vous. Voilà. C'est vos prénoms. Ouais. Donc, en fait, ce serait comme une série sur YouTube qui parlerait de YouTube. Et on s'est dit que, voilà, ça intéresserait vachement de gens. Mmh. Regarde. Un chien.
Ah bah il est joli. Ouf, ouf. Mm. Mais et pour la série? Non, vous êtes pas assez connu pour ça. D'ailleurs, j'ai rejeté un petit coup d'œil à votre contrat, là. Ça fait quand même 2 ans qu'on produit votre chaîne, que je vous paye. Mal, ta gueule. Comment? Que je vous paye, donc. Et tout ça pour me rapporter... Attends, bénéfice. Il y a une colonne bénéfice, normalement. Attends. C'est les coûts, ça c'est vous. Et bénéfice... Mais c'est débile, je l'ai vu tout à l'heure. Allez, lui, il a 12 secondes. Mais je crois que c'est rien. Non, je sais, mais je me ménageais un effet comique. Pour... Enfin, voilà, rien, quoi. Vous en êtes où, là, au niveau des abonnés? On est à 200... 300 000. Non, c'est moins, c'est beaucoup moins. Ouais, attends, je vais te dire. 250, cette année. L'année dernière, 180. Ça fait 70 de plus. Ouais, ça fait pas beaucoup. 70 de plus en un an. Non, c'est pas assez, on n'est pas bon, là. Après, j'ai l'impression qu'il a quand même jamais été question du nombre d'abonnés. Si, page 7, objectif de 500 000 abonnés à la date anniversaire du contrat, sinon rupture du contrat. Mais on lit pas les contrats. Enfin, si, on les signe, mais on comprend pas ce qu'on lit. Ah ouais? Et il finit quand le contrat? Dans une semaine. Ah ouais, donc là, c'est la merde, hein? Voilà. Je vous rejoins, je vais chercher ma trottinette. Quoi? Non, rien, ta trottinette, c'est mignon. Hé, hey, salut mec! Ça va? Hé, hey, Lucien, ça va? Ouais, et toi? Ouais, super! Trop bien. Ah, t'as une trottinette, c'est trop mignon. Ouais, enfin c'est pratique. Ah non, mais je juge pas, hein. Qu'est-ce que tu fais là? T'habites dans le coin? Ah non, moi je suis sur Angers. Et je traîne dans le coin, comme ça je croise des gens du métier. Ok. Mais attends, tu te fais l'aller-retour tous les jours? Bah ouais, c'est 1h40 en train. Franchement, c'est 2h20 porte à porte. Et même comme ça, ça reste moins cher qu'un loyer parisien. Mmh. Oui, malin. Ouais, pense-y. Voilà, voilà. Bon, bah, écoute, je peux pas rester longtemps parce qu'il y a mes potes qui m'attendent. Ah, vous êtes tous là? Ouais. Ah, oh, charmé. Justement, moi j'ai un truc à vous proposer, j'ai un script, ce serait super. J'ai un rôle pour Johan, pour Mustapha, pour tout le monde. Ouais, mais alors, pardon, justement, en fait, nous les featuring, on fait pas trop. Sérieusement? Non, ouais, vraiment, clairement, je pense pas qu'on ait besoin de ça. Ok. Non, non, ok. Mais franchement, c'est con. Hein. Parce que si t'attends que l'algo YouTube il vous fasse émerger. Ah, vous pouvez rester dans un truc antisocial, anti-système, faire votre truc dans votre coin, un peu en alternatif. Il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a plein, mais comment on se souvient d'eux? Bah, parce qu'on s'en souvient pas. Voilà, alors que vous feriez un gros truc avec quelqu'un de super connu, bah voilà, c'est réglé. Ou alors vous pouvez faire plusieurs vidéos avec des gens un peu moins connus. Enfin, moi je suis un peu connu déjà. Tu vois, Eh ben ça rapporte. Ça rapporte sur la vignette. Tu vois, il y a une recette miracle, je te la donne. C'est ça, c'est featuring. Il suffit d'une vidéo, mec. Une vidéo qui cartonne. Eh ben, t'es lancé. Tu vois, ma première vidéo, John Rachid en featuring. Eh ben, abonné, abonné, abonné. Deuxième vidéo, Marion Seclin. Qu'est-ce que ça donne? Abonné, abonné, abonné. Sinon, on n'a qu'à faire un Avignon. Le truc, on a investi 2000 balles par personne, on mange des pâtes, on dort dans la même chambre que Johan pendant un mois. Ouais. Ben non. Les gars, c'est bon, j'ai la solution, on va trouver 500 000 abonnés en une semaine. On va faire des featuring. Mais mec, ça veut dire que tu voulais pas faire des featuring, mec, c'est comment il s'appelle? Wow. Ah putain, c'est Lucien Man, mec, on peut lui demander non, de... Non, pas assez connu. Vous avez mon number?